Par son père ancien coureur professionnel, Stefan Plaza a eu une relation privilégiée avec une star du cyclisme. Vous avez plutôt l'habitude de le voir sur M6 que sur France 2, mais ce dimanche, CIST bien sûr la chaîne du service public que Stefan Plaza passait le début de soirée. Invité dans 20h30 le dimanche, émission présentée par Laurent Delahousse, il venait non pas pour son statut d'âge immobilier le plus célèbre de France ou d'animateur populaire chez les Français grâce à ses dizaines d'émissions depuis 17 ans, mais pour son nouveau rôle sur scène dans Un couple magique, une pièce de Laurent Ruquier au Théâtre des Bouffes parisiens. Ce n'est pas sa première expérience sur les planches, mais pour évoquer ce nouveau rôle, l'animateur a commencé par être interrogé sur son enfance et notamment son lien particulier avec une légende du sport. Son père, le cycliste professionnel lorsqu'il était petit, l'agent immobilier a en effet eu une relation étonnante avec l'un des cyclistes les plus connus de sa génération comme l'a révélé le présentateur du JT de France 2 sur son plateau. Aujourd'hui plus que jamais, l'icône de M6 est connue pour demeurer très proche de son père, Raymond Plaza, ancien coureur cycliste professionnel qui a participé au Tour de France en 1957. De par sa carrière prolifique, entre la route et la piste, ce dernier a connu le monde des compétitions sportives et, par la même occasion, de nombreux autres coureurs cyclistes comme lui. Parmi eux, le très populaire Raymond Poulidor, qu'il a présenté à son fils. Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, si est-il ce qu'a raconté Stefan Plaza ce 23 avril, expliquant que Raymond Poulidor était son tonton de cœur, mon père a couru 10 ans contre lui. Poulidor habitait Limoges et donc ils se sont connus. Il m'a même gardé quand j'étais petit, j'ai même été changé par Monsieur Poulidor. Donc si est-il vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi ou qui a beaucoup compté. Stefan Plaza a ensuite pris la défense du fameux cycliste, visiblement injustement surnommé l'éternel second, un surnom rappelé par Laurent Delahousse, ou la attention. 189 victoires, si est-il pas mal, a repris Stefan Plaza. À lire aussi Stefan Plaza, son nouveau projet télé avec son père âgé de 90 ans.